Amadou Ba, candidat de la coalition Beno Bokyakar, que les tendances actuelles placent deuxième à la course à l'élection présidentielle de 2024, a appelé ce lundi 25 mars Bachirou Diomaye Faye de la coalition Diomaye Président pour le féliciter de son succès à cette élection. En attendant les résultats officiels, Bachirou Diomaye Faye est crédité de plus de la majorité des voix selon les tendances publiées par les divers médias locaux. Plus tôt dans la nuit de dimanche à lundi, au siège du parti APR, Amadou Ba a remercié les militants ainsi que les électeurs et a appelé au respect des prérogatives des différentes institutions chargées du recensement et de la proclamation des résultats. Merci pour votre engagement. Merci pour votre détermination. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et remercier le peuple sénégalais pour cette grande mobilisation. En républicain et fidèle au respect des institutions, l'ancien Premier ministre et candidat de la mouvance présidentielle a publié un communiqué dans lequel il a rappelé que le scrutin a été transparent, sans chaos, comme certains le prédisaient. L'ex-chef du gouvernement, les candidats et les électeurs ont servi au peuple une fois de plus. Un bel exemple de la maturité démocratique du Sénégal. Que nous respectons les lois de la République, respectons le jeu démocratique, respectons le verdict des urnes. L'élection présidentielle organisée dimanche 24 mars 2024 au Sénégal et à l'étranger s'est tenue dans le calme et la paix sous la supervision de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, et de nombreux observateurs électoraux nationaux et internationaux. Les résultats officiels sont attendus au courant de la semaine.